Alors que cette vidéo commence, je voulais vous dire un grand merci au niveau des retours sur la vidéo avec Gogeta. Donc le test ZDU, etc. qu'on a fait avec Kowa, il y a eu pas mal de retours positifs. Bon, il y a aussi des gens qui sont pas contents. Mais ça, c'est pas grave, c'est normal, c'est le jeu quand ça sert un truc au début. Il y a toujours des retours négatifs, tout simplement. Du coup, on va le continuer, on va essayer d'en faire un toutes les semaines, voire un toutes les 2 semaines. Je te laisse avec la vidéo, frérot. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, ça fait plaisir. Sur la vidéo, tu vas voir que... Bon, je vais pas vous spoiler, mais là, c'est le lendemain. Et je suis toujours choqué par ces invocations entre guillemets hein. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, vous allez le voir tout de suite avec la vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Si jamais vous invoquez sur le portail, n'hésitez pas à faire des mutiers parce qu'il y a la SSR gratuite à la fin et il y a de vieux cailles. Donc évitez les singles et puis je vous laisse avec la vidéo. A tout de suite. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une invoca pour des invocations sur le portail taux de drop x2 du coup, celui avec Tapion. Alors bon, à la base on devait faire une multi, hein, où Meshou il est venu, il a posé ses balls comme ça, il a dit bon, moi je fais un don, tu payes. Il m'a dit Kharlas, tu payes direct. Du coup j'ai pris 2 packs, hein, on va faire 3 multi, ça fait plaisir. Merci à Meshou, plein de bisous, ou Meshou. Du coup... Le portail, il y a quoi dedans? Il y a le Tapion. Donc le AJ, il est pas mal, on kiffe, hein, mais on veut du LR, hein, voilà. Le Tapion Tech, il est excellent dans la team. Super Tech, voilà, il transforme les Kirenbo, boost d'attaque et de défense. Il met des critiques aussi, mais on veut des LR, voilà. Le Goku qui stun, que j'ai pas. Ça va, il est pas mal, mais on veut du LR. Le Gohan qui est pas mal. Et qui, bon voilà, tu m'as compris, hein. T'as compris ce qu'on voulait, je crois. Donc, on le veut pas. On veut pas non plus. Le couleur, je le veux bien, mais je préfère un LR. Lui, on s'en bat les steaks. Lui, j'ai déjà un doublon. Lui, il sert à rien. Lui, j'ai. Voilà. Et lui, hein. Ah, là, pas besoin. Bon. On va mettre le short de la victoire. La dernière fois, il nous avait porté chance. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, les frérots. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez kiffé la vidéo avec le Gogeta là. Ça fait plaisir. J'ai tapé pas mal de temps dessus. Et. Krusty qui donne un 2 balles. Bah voilà, Krusty il apparaît dans la vidéo. Merci Krusty, plein de bisous à Krusty aussi qui finance la vidéo. Et derrière à tous les frérots, hein, j'ai dit au Meshou, mais derrière il y a tous qui a donné 7 balles aussi. Merci à lui. Et à tous les frérots, même sur le Super Sac, ils ont donné 2 balles. Donc, voilà, on va invoquer tout simplement. On a 2 vieux caillots à chaque multi-invocation. Ah oui, je disais donc, vous avez kiffé la vidéo avec Gogeta. On a mis pas mal de temps à la faire avec Kowai, donc ça fait plaisir. Merci à vous pour tous les pouces bleus et les retours. Première multi, let's go, c'est parti. Shenron, bon, c'est ça garanti maintenant. Faudrait qu'il change un peu les animations d'ailleurs. Parce que maintenant, t'as un Shenron, tu sais qu'il y a une nécessaire à la fin. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. D'ailleurs, maintenant, la version globale, c'est comme la version Jap. Quand on fait une multi sur n'importe quel portail, on a un nécessaire garanti à la fin de la multi. 95% de chance qu'il soit hors détecteur. En soi, ça change pas les taux, les gars. On a le même taux d'avoir un perso du détecteur qu'avant. C'est juste que si c'est pas un perso du détecteur. C'est un SSR quelconque, donc c'est quand même mieux. Et du coup, sur les portails x2, c'est très intéressant parce que les LR, ils sont hard détecteurs. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Et on a un Thalès qu'on a déjà. Du coup, ça me fait un deuxième doublon. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, c'est un perso du détecteur. Hein. Mais on aurait préféré... Oh, un petit Goku Blue, un deuxième. Merci pour l'abonnement à Princesse LK. Du coup, bon, hein, Goku Blue, on va pas l'utiliser. Goku Blue, j'ai déjà le Jubai avec un doublon, même si j'ai un deuxième doublon sur celui-là. On verra bien ce qui... à quoi il va servir plus tard. Un petit Trunks. Un Whisou. Bon, au moins, lâche-moi au moins un Tapion, frère. Bon, et là, le Blédard avec son foulard, là, vas-y. Goten. Oh, yes! Je l'avais pas. Nice. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Je l'avais pas sur le portail, d'ailleurs. J'ai, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, j'arrête Dokkan, prank, tout ça. J'ai droppé tout le détecteur, à part la Caulifla et la Kane, et ça fait grave plaisir. En plus, je vais pouvoir faire ça, du coup, ça me fait un truc à faire. Faut que je fasse avant qu'il parte. Nice, ça fait plaisir. Du coup, dernier, ok, dernière pièce sur le détecteur. 2 vieux Kai, 3 SSR, dont un que je voulais. Donc, ça fait plaisir. C'est nickel, ça. Ça fait grave plaisir. On va repartir sur la deuxième multi. Le short il marche. Le short il marche pour l'instant. Pour le moment, le short il marche. Ah voilà les gens qui vont débarquer sur la chaîne, ils vont rien comprendre. Ils vont dire c'est qui là? C'est qui ce mec avec son short là? Il fait pitié, qu'est-ce qu'il fait? Bah oui. Je suis un gitan avec un short. Mais en attendant, le short il a eu Jiren première multi. Toi tu l'as pas eu. Du coup, n'a pas.
Le petit coup la tête qui fait partie du détecteur, je l'avais pas. Ça fait un perso de plus dans la collection, mais j'aurais préféré avoir le tapion, frère. Bon, c'est pas grave. On prend, on l'avait pas, ok. Ah, y a, pendant une fraction de seconde, j'ai cru que c'était le blue. Le puits de l'air. Videl. Docteur Giro. Minosucha, mais... Donc, du coup, cette multi, ça va être une multi avec deux SSR. Le Goku Nordas que j'avais déjà, pourquoi pas. C'est le portail Colif la x2 ou SSR x2, wesh. Bon, bah, écoutez, ça fait plaisir. Non, mais franchement, ça fait plaisir. C'est une bonne unité, on peut la mettre SP10 gratos. Donc, ouais, ça fait plaisir. On va débloquer son chemin. Elle va servir pour le Super Battle Road. Et puis, voilà, ça fait plaisir. Bon, du coup, c'est la dernière multi, les frères. On n'a pas une Néo LR. Mais, bon, on a eu la Caulifla quand même, ça fait plaisir. Mais il faut peut-être un petit truc en plus, genre un petit tapion agi quand même pour amortir quand même les deux packs, hein. Les deux packs, le Goku Nordax, on l'avait déjà. Donc, la dernière multi, allez, pouvoir du short, allez. Hop. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, c'est pas déjà fait. Tout ce que vous voulez. Partagez tout, partout. Ça fait plaisir. Eh, attendez, il y a les petites... Hop, je repars le short comme ça. Alors là, j'ai honte de rien. Hein. Ah, moi, j'ai fait des lives sur Adibou, moi, bah les steaks. Eh, on m'a dit, à 50 RT, tu fais un live sur Adibou. J'ai dit oui. Hop, 50 RT, j'ai fait un live sur Adibou. Eh, et c'est J3. Le Whis que j'ai déjà. Le SSR Tech. Bon. Je crois que je l'avais déjà. Ah, de tête, je l'avais déjà, ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Peut-être se cache un Néo LR dans la multi. Sait-on jamais. Minoshi encore. Allez, un petit, quand même. Lâche-moi quand même un petit tapion, frère. Tu vois, histoire 2. Même si je suis content pour la Caulifla. Ah. Bon. Taux de SSR x2, là, il m'a dit. Il m'a dit non. Ah, il m'a vraiment dit non, hein. Oh, on l'a. Oh. Bon, la dernière multi, les frères. Bergamo. Voilà, il m'a dit Bergamo. Il m'a ramené Bergamo, gros. Voilà, vas-y, arrache-toi de là. Ah, vas-y, c'est les derniers persos de la multi en plus. Bon. Bon, on a essayé vieux Kai, hein. Bon, qu'est-ce que j'en pense de ces multi? Bah, écoutez, 3 multi. Sur les 3 multi, bon, j'ai eu la Caulifla x2. Au moins, ça fait ça. Le reste des SSR, je vous dis la vérité, il est pas très intéressant. Je vous dis la vérité, le reste des SSR est pas très intéressant. Heureusement qu'il y a 2 vieux Kai offerts. Ouais, le reste des SSR, on va regarder vite fait. Mais on va regarder vite fait, on va hop, liste des persos, hop, par date. Bon, du coup, il n'y a pas eu de LR, hein, il n'y a pas eu de LR. Hop. Du coup, on a eu quoi, alors? On a fait 3 multi, 1, 2, 7 SSR pour 3 multi. Pour un taux de drop x2, c'est pas haut. Franchement, 3 multi, normalement, tu tapes... Ah, tu tapes large plus, hein. 3 multi, tu te tapes... Ouais, tu te tapes... Attends. Non, quoique, 3 multi, ouais, si, c'est les taux, hein. Ouais, si, c'est les taux, en fait. Ouais, c'est plutôt les taux. J'aurais espéré avoir un peu plus. Bon, le Bergamo qui sert à rien. Mais bon, c'est la collecte, hein. On va le garder. La carte, elle est stylée. C'est déjà ça, le Goku Nardas qu'on a déjà. Mais bon, ça fait un doublon, pourquoi pas. Là qu'on n'avait pas, donc ça fait plaisir. La Caulifla qu'on n'avait pas qui fait grave plaisir, ça fait grave plaisir. Par contre, avec le petit doublon, et on a donc le Thalès que j'avais déjà. Donc, dommage, on a franchement, même si j'aurais pas eu de LR et j'aurais eu le tapion, j'aurais dit ok, mais j'ai le tapion donc ça va. Là, on s'est tapé deux SSR du détecteur et les deux qu'il fallait pas, du genre Thalès et le Wisp. Voilà, tout simplement, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait quand même plaisir d'avoir la Caulifla, petit lot de consolation. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, ça fait plaisir. On est en live le soir la plupart du temps, donc n'hésitez pas à activer les notifs, frérot. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine, portez-vous bien. Encore un grand merci à tous les donateurs, à Omechou, plein de bisous. Et puis ciao, ciao. Bon, aujourd'hui il a pas marché. Enfin, si, le short il a marché un peu. J'ai eu la Caulifla.